Time's up, y'all moving in four lanes. You hide out, we spread out with one chain. Catch you innocent, ain't dealing with no pain. One shot to two shots, we all drain. Riding with the targets, you know that I got aim. The duty is cold day. See the planes up in the air, we drop bombs. Ammo racking up like gold, we got arms. Ring, let it rain, till we get more rings. Let it rain, till they got no rings. In the game, in the game, house with no frame. Gang is amped up, high from blank range. Line it up in the scope, give no hope. Boy, your time is up, duck down to reload. La team X, j'espère que vous allez bien. Je vais bien pour ma part. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir encore un thème pour avoir une garde efficace et hermétique. D'accord ? Donc le but en boxe anglaise, une fois de plus, je vous le répète, c'est de donner des coups sans en recevoir. Donc tout ça, c'est des thèmes qui vont beaucoup vous aider à ne pas prendre de coups, à garder du coup un nez en pleine forme, de ne pas perdre de dents, d'avoir d'œil au beurre noir. Donc c'est pour votre bien. D'accord ? Donc une autre technique qui va vous permettre d'avoir une bonne garde hermétique, c'est de former avec vos gants un cœur comme ceci. C'est ce que moi personnellement j'utilise tout le temps quand je suis en situation de danger, quand mon adversaire est un peu trop offensif ou trop près de moi, je forme avec mes mains un cœur comme ceci. Ce qui va me permettre d'avoir une bonne garde, d'être bien protégé, d'accord ? Que ce soit en haut et en bas, de par mes coudes, et de voir tout ce que mon adversaire fait. Donc s'il m'attaque avec un direct, avec un crochet, un hypercute, ou bien même au corps, je vois tout ce qu'il produit, et je peux bien me protéger et me défendre, et préparer mon attaque par la suite. D'accord ? Donc je forme mon cœur avec mes gants, comme ceci, et là, il n'y a absolument rien qui peut passer. Donc s'il vient en direct, c'est bloqué, et je le vois, j'ai tout simplement à resserrer le cœur. S'il vient en crochet, donc un crochet, il va essayer, généralement, il va essayer de chercher l'oreille, donc derrière le gant. Ce que j'ai à faire, c'est de décaler la main comme ceci, et je reviens en position initiale, là devant, comme ça je peux toujours le voir. D'accord ? Là, je me mets en condition. Boum, boum. Je suis protégé au cas où je reçois un crochet. En hypercute, pareil, que ce soit un hypercute arrière ou en avant, il vient comme ceci, je suis en position de garde, là, il n'y a rien qui rentre en bas. Une fois de plus, je vois ce qu'il fait, donc je le vois venir en bas pour venir chercher l'hypercute. Je resserre tout simplement, comme ceci. Je vois ce qu'il fait, je vois où il va envoyer, que ce soit au corps ou à la face. Je resserre. Et par cette manière, je bloque le coup. Toutes sortes de coups qui arrivent. Encore que ce soit un direct, un crochet, un hypercute, je vois ce qui se passe, je peux parer, je peux esquiver, ce que je vois, boum, je peux bloquer et je sers la garde, tout simplement. Que ce soit en haut ou en bas, c'est pareil. Là, le bas, si c'est au corps, on va plus venir serrer avec les coudes, d'accord ? Donc on rapporte les coudes, on rapproche les coudes près du corps. Ce qui est sûr, c'est qu'on est super bien protégé et qu'on voit tout ce que l'adversaire prépare, d'accord? Donc j'appelle ça le petit cœur. On est bien protégé derrière ce gant, on voit tout ce qui se passe, et derrière on peut remiser, préparer son attaque. Dès qu'on voit qu'il a fini de mettre des coups, on peut remiser tout de suite derrière, ce qui permet d'avoir une garde hermétique et d'être bien dynamique pour remiser derrière et contrer, ce qui peut éventuellement vous permettre de gagner par KO, d'accord? Donc il suffit tout simplement de pratiquer, hein. On garde les mains bien hautes, on pratique, et ça rentrera petit à petit, au fur et à mesure du temps, d'accord? Donc voilà pour cette vidéo, court mais efficace, à vous mettre en pratique, je vous dis à très bientôt la team.